Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous reprends pour une vidéo un peu spéciale. J'ai reçu un mail d'une dame qui s'appelle Lisa. C'est une des dames sur ibroderiediamant.fr. Donc elle m'a contactée en me disant que elle aimait bien donc la chaîne. Enfin, en gros, elle me demandait si ça m'intéressait de recevoir un kit de chez eux pour tester et en échange de vous le présenter en vidéo. Donc, j'ai dit oui, j'aimerais bien tester autre chose que des DP de chez AliExpress. Donc, c'est mon premier partenariat, on va dire. Je l'ai reçu là ce matin. Je l'avais contacté hier justement en expliquant que je n'avais pas eu le colis ni d'informations sur le suivi, que je voulais savoir si c'était toujours OK pour elle. Donc elle m'a répondu aujourd'hui, mais du coup je l'ai eu aujourd'hui, je vais lui répondre comme quoi je l'ai bien reçu. Donc je l'ai ouvert, donc il était emballé dans une poche, un peu sac poubelle, là, les sacs noirs. Je l'ai ouvert parce qu'en fait je pensais que c'était mes persos. Et vu que je dois pas les montrer en vidéo, je me suis dit je vais quand même ouvrir pour voir ce que c'est. Et en fait, j'ai très vite vu que c'était pas mes persos. Parce que déjà, ils sont plus grands et il n'y a pas ces couleurs-là dedans. Donc je suis pas allée plus loin, j'ai juste regardé les diamants. Donc là, on va ouvrir ça plus tard. On va déballer déjà ce qu'il y a dans le colis. Donc, elle m'avait demandé de choisir un modèle. Alors, là, on a un stylet. Donc, ça, c'est apparemment, quand j'ai vu dans d'autres vidéos, le stylet-là est offert que aux personnes qui font des vidéos YouTube, il me semble. Je suis contente, je vais pouvoir le tester. J'ai jamais testé ces stylets. Je testerai ça. Donc, le papier. J'évite de faire trop de bruit avec les papiers parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Et en plus, j'ai ma fille qui dort juste à côté. Donc, ensuite. Alors, on a la toile. Qui est 20, 25 sur 50. Je sais plus si. Et donc on a la feuille. Alors là, c'est dommage, il n'y a pas l'image sur la feuille comparée à ce que je reçois d'habitude. Donc on a 23 couleurs. Les symboles ont l'air pas mal. Et ça, c'est les références DMC. Ok. Donc, on a la taille 25 par 50. C'est dommage, il manque juste un petit aperçu de ce que c'est. Mais bon. Bon, voilà pour ça. Et donc, ensuite, on a la toile. Donc, là, vous voyez un aperçu sur cette toile. Donc, c'est un attrape-rêve. Je vais mettre dans la chambre de ma fille. Donc 23 couleurs, on les a là. On a le symbole et la référence. Ok. Alors je vais décoller pour voir. L'impression est bonne déjà. Et la qualité de la toile n'est pas la même que. Elle est plus épaisse. Oh là là, il va être magnifique. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Voilà le bas. Et donc le haut.
Il est très très bien imprimé. Ça va être un plaisir à faire ça. Et donc, voilà le haut. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu plus. Voilà. Donc, ça va. Il est très bien imprimé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais... Est-ce qu'il va me... Voilà. Donc, vous voyez, les symboles sont très lisibles. J'ai pas de rivière. J'ai pas de rivière là. Il a une bonne pliure, mais je vais le laisser à plat pendant quelques jours. Mais sinon, franchement, ça a l'air d'être de la très bonne qualité. Donc, je vous dirai ça après. Étant donné que c'est un partenariat, du coup, je le ferai avec vous en vidéo. Donc, je suis assez contente pour le moment. Je vais regarder au niveau diamant. Alors, je mets pause parce que sinon ça va faire trop de bruit. Donc, voilà. Alors, j'ai sorti du sachet. Sur le sachet, il y a marqué donc la toile, parce que c'est un 25 par 50. Les diamants sont en sachet refermable. Donc sur le sachet, on a la référence, le poids. Ok. Voilà. Bah, dis donc. 35 grammes. J'ai jamais eu... Il y a des couleurs que j'ai jamais eues, je crois. Ça va être... Les diamants ont l'air bien taillés, d'assez bonne qualité. Mais ça, je m'en apercevrai vraiment quand je le ferai en fait. Mais ouais, ils m'ont l'air bien taillés. Donc on verra ça. Et puis là, on a le kit basique. Sauf que là, on a le... Comment ça s'appelle? Je suis désolée pour le bruit. Alors. Donc, on a l'embout en mousse avec l'embout pour plusieurs diamants. Une pince qui a l'air bien. Qui a l'air bien. En métal. On a le petit carré de colle. Et ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Si ça a l'air d'être de l'adhésif. S'il y en a qui savent, dites-moi. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Et donc, on a la petite coupelle que j'utilise très souvent. Elle est très bien. Avec le béguerseur, c'est top. Bon, ben voilà. Eh bien, écoutez, pour le moment je suis satisfaite. J'attends de voir. Je vais pas trop m'avancer. Ça a l'air d'être de bonne qualité et tout, mais je vais attendre d'abord de commencer et puis voir le rendu final. Mais j'essaye de voir, mais franchement les diamants. Ils sont très très bien taillés. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo là pour vous faire voir. Alors je sais qu'il y en a plein qui ont déjà testé, mais moi j'avais jamais testé. Et quand elle m'a contacté, du coup je me suis dit pourquoi pas, ça changera. Alors là j'ai quelques diamants qui se sont glissés dedans, du bleu. Et là aussi. Ah non, là c'est du vert. Du vert, du rouge. Mais sinon ça a l'air bien. Donc oui, on le commencera en vidéo. Alors, prochainement. Je vais pas. Je pense que je vais le commencer rapidement.
Comme ça, Lisa, la dame qui a vu ça avec moi, verra que je fais bien la vidéo et tout, parce que bon, m'a quand même envoyé une toile, c'est pour la faire, pas pour qu'elle reste dans le placard. Donc voilà, en tout cas, je remercie beaucoup cette dame. Et puis, je vous retrouve bientôt pour le commencer. En attendant, si vous voulez aller voir sur le site, je vous incite pas à commander ni rien, mais moi, je trouve qu'il y a des jolis modèles. Après, chacun voit ce qu'il veut faire, mais moi, par exemple, celui-là, je le voulais et du coup, ben voilà, ça m'a permis de l'avoir. Donc, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.